Chef traditionnel et cadres s'unissent autour du député d'Ara, Anne Boni-Siméon, pour le développement d'Ayuanou. L'honorable député d'Ara, Anne Boni-Siméon, après avoir distribué des fanfares dans les sous-préfectures et villages de la tribu Ayua, précisément à Krébé, à Salé Kouassikoro, Kotobi, Abongwa, Zanfouenou et d'autres localités, l'honorable député d'Ara, Anne Boni-Siméon, n'a cessé de répondre à toutes les attentes de sa population, dont la réhabilitation de l'école EPP Zanfouenou 2, la grotte de l'église catholique de Zanfouenou, la réhabilitation du bâtiment de 4 salles du lycée moderne Nana Ebaloui d'Abongwa et la construction de 3 salles de classe de l'école primaire Abou. Plusieurs autres réalisations ont été faites grâce à la générosité de l'honorable député d'Ara, Anne Boni-Siméon, sans oublier les grands services rendus à la population d'Ayua. Malgré son poids économique indéniable dans la région du Moronou, notamment en matière de production agricole de spéculation pérenne, l'Ayuanou reste encore une grande tribu qui a du mal à s'ouvrir aux délices de la modernité. Cependant, ayant pris conscience, c'est un cadre uni autour de l'honorable député d'Ara, Anne Boni-Siméon, ont décidé de travailler la main dans la main en laissant derrière la politique pour faire place au développement. Alors, faisons bloc autour de l'honorable député d'Ara, Anne Boni-Siméon, car la politique est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Merci à l'honorable député d'Ara, Anne Boni-Siméon, et que vive la paix et la réconciliation dans le Moronou, en particulier dans Ayuanou.